Silou. Eh bien, dans mes vidéos, on a toujours l'impression que je suis tout seul et que je vois pas grand monde. Alors, ben, juste pour vous montrer que c'est pas toujours le cas. Là, ce soir, je suis à Trieste. C'est toujours en Italie. Je serai bientôt en Croatie. Et voilà, un petit concert, une petite fête avec des produits. J'ai goûté des trucs plutôt sympas, des gnocchis sucrés. Des spécialités de Trieste et de toute la côte adriatique. Donc voilà, on est dimanche soir, c'est le 31 octobre. Et là, il y a un petit concert que je vais vous faire écouter un petit peu. Bonne soirée les petits loups, ou bonne journée. Alors, pour ceux qui ont 2 minutes à perdre et qui ont trouvé frustrant d'en avoir qu'un morceau de musique, eh ben, je vous propose de rester quelques minutes avec moi encore et puis d'écouter leur prochaine. On sait pas trop ce que ça va être, mais voilà, de toute façon je l'écoute, alors... Generale, dietro la collina, ci sta la notte, truca l'assassina, e in mezzo al parco c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra la bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come giovani, partiti al mondo come soldati, e non ancora tornati. Si va di via a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Scappato e vinto e battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo ali di vino e vento e fumo, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci in su quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Quasi giorno e quasi tarda, e quasi amore.
Allora, il pazzo che mi sta facendo in questa maniera, in questo momento, il maestro, c'è Enrico Pogo Pogolenski dalla voce e armonica. Alla batteria, il maestro Giulio Roselli. E il grandissimo bassista, il nostro Ferdi Razza. Era molto sega, amici italiani, siamo molto sega, capite? Questa è la considerazione. Molto sega, Marco Onelli! Grazie di aver partecipato, grazie anche a Silvia Studio. Journée, bonne continuation, bonne matinée, je ne sais pas, et moi je vais continuer à écouter, je ne sais pas s'il joue. Allez, à bientôt!